trouves ici, tiens, me mettre dans les tentations, Seigneur. La sœur. La sœur, hein. Bon, il y a un problème. Non, les frères. Non, venez d'abord, pardon. Venez d'abord. Non, maman, viens. Papa, tu vas avoir peur. C'est le grand pasteur, Seigneur. Toi-même, tout. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, la sœur. Ça va un peu. C'est vrai, tu ne peux pas me connaître. Moi, je suis le grand pasteur Sebago de Bagdad. Là, c'est tout le temps qu'on nomme Moza. Je vous ai vu passer, tu comprends. Moi, je suis un grand pasteur. Et parfois, les révélations viennent directement. Tu comprends. Moi, quand je vous vois comme ça, vraiment, je suis content de vous voir. Mais c'est une révélation pour toi, mon frère. Tu comprends. Voilà. Non, laisse d'abord. Une révélation pour moi. Oui, il faut laisser d'abord le faire. Je suis curieux de savoir. Ah, tu es curieux? Je suis curieux de savoir. Ah, normalement, quand je te vois, il faut que je prie pour toi. Parce que le Seigneur m'a montré dans plus de 5 ans, tu risques vraiment l'esprit de vol te guette. Oh! Il est fou ce mec! Non, ça c'est une révélation. Toi, tu es fou, toi! Moi, je t'ai dit. Quand tu me regardes, tu crois que je ressens même un braqueur ou un voleur? Je n'ai pas dit ça, j'ai dit dans les années à venir. Donc fais vraiment attention. Hein, mais pour ça, il faut que moi, les grands pasteurs, je puisse prier pour toi. Hein? Tu es sûr que depuis. Je suis le grand pasteur. Tu t'as mis des dragues ou quoi? Quelle drague encore? Je suis en train de parler avec les frères. Hein? Ma frère, je te dis. Tu ne connais pas, tu me dis que c'est pourquoi j'étais arrêté. Ma frère, c'est pourquoi j'ai suis. Est-ce que tu. Donc, ma frère, tu es sûr que vraiment, parfois, même tu ne fais pas un peu les rêves un peu bizarres comme ça par hasard? Non, mais tiens, pendant que tu en parles, effectivement, de faire des rêves. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait un rêve, on me poursuivait. Ma sœur, je t'ai dit que. Tu es un être humain, tu peux rêver, est-ce que tu sais non, pas. Non, mais il n'a pas pu deviner ça comme ça, il me connaît pas. N'est-ce que pas? Tu vas là, il a faim. Hein? Non, moi je suis un grand pasteur. Je vais prier pour ton série, je vais sauver ton série, ma sœur. Là, il n'a pas l'argent, il est fauché. Non, ma sœur, non, il ne faut pas que tu vas partir. Chérie, attends, viens d'abord. Moi, je suis intéressé par ce qu'il veut dire. Moi, je suis intéressé. Ah, ma foi. J'ai vraiment envie de savoir. Je te dis, même là, montre un peu tes lunettes. Enlève un peu. Allez, ferme les yeux fort comme ça. Fort. Ouvre. Tu vois bien? Est-ce que tu as bien vu d'abord? Chérie, il ne dit rien, il ne dit rien. Il ne parle pas. Quand tu as fermé les yeux. Ferme encore, tu vas voir, le Seigneur va te bénir. Voilà, tu serres, tu serres. Il y a quelle parole là que tu as le délivré là? Voilà, ouvre maintenant. Il faut que je prie pour toi. C'est ainsi que frère, là où je vois comme ça, tu es dans les dangers. Vraiment, tu es dans les dangers. C'est vraiment un problème? Non, il faut que je prie pour toi. Vraiment, ferme les yeux, et puis tu vas recevoir la bénédiction. Tu as fermé les yeux, tu vas recevoir les bénédictions encore que les gens te les feraient. Seigneur, vraiment, quand je vois, Seigneur, ton fils, il est dans les dangers. Il est dans le danger. Hein? Seigneur, je veux que tu aies assis dans sa vie encore. L'esprit du vol, il doit être loin de lui encore. Loin. Hein? Mais tu vois maintenant, noter ce que je veux te dire. Papa, je note un grand caractère. Tu vas noter dans Esaïe 13. C'est fort. Yes. Esaïe 06. Uh-huh. Yes. C'est fort. Amen. Ah Seigneur. Verset 15 à 16. Alléluia. J'ai précisé. Esaïe 6, 15 à 16. Oui. Tu vas prendre encore l'autre parole. Seigneur, tu es dans ta parole. Matthieu 14. Amen. Ézéchiel 15. Je suis appelé en plus haut. Ah Seigneur, tu as dit invoque-moi le truc de la détresse, je vais te répondre. Amen. J'espère que tu as bien pris. Amen. Est-ce que tu as bien pris ma sœur et mon frère? Amen. Oui, Seigneur, je reçois. Mon frère, tu es sauvé. Ta foi t'a sauvé. Amen, pasteur. L'esprit d'ivoire, il va partir. Amen, pasteur. Hein, tu peux rentrer avec ta série. Hey, je suis un grand pasteur. Merci. Hein? Non, vraiment, il n'y a rien. Il n'y a rien. Oui, merci beaucoup. Ma sœur, je t'ai dit, non. Je suis un grand pasteur. Non, tu es fort. Non, tu connais. Non, laisse-moi. Tu es un vrai serviteur de Dieu. N'est-ce pas? Non, que le Seigneur vous accompagne encore. Hein? Non, vous partez bien. Ah, c'est pas quoi de Bagdad, Mimosa. Ah, vraiment. Ma petite.